Hello les gens, bienvenue sur frappestesjeux.fr, c'est mieux quand j'active le micro, ou sur mon blog itisan3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur Fallout 4, sur PC comme vous pouvez le voir, un jeu qui m'a été offert par Goro Turion. Nous sommes le dimanche 6 mai, il est 22h43, c'est parti pour un tour, pour 40 minutes à nouveau, ou du moins 40 minutes ou un peu plus, rarement moins, et je m'endors petit à petit. On y va. Qu'est-ce qu'on a visité, qu'est-ce qu'on n'a pas visité? Ce qui serait bien, c'est qu'on reparte dans la direction de ce truc-là. On va partir vers la suite de la mission. Ça me semble bien, ça, comme idée. Il y a aussi un magazine qui donne des réductions. Dans ce bâtiment ou plus loin? Salut camarade, venez vous asseoir près du feu. Tout le monde est le bienvenu. Quel feu? Hey. Comment ça va? N'hésitez pas à vous joindre à nous. Trouvez-vous un petit carré de terre, une vieille souche, un pneu, ce que vous voulez. Et restez un peu. La bonne camaraderie, c'est offert par la maison. Mais c'est la boisson qui me permet de garder mon corps et mon âme en bon état. Je peux vous servir quelque chose? Qu'est-ce que c'est que ça? Un bar itinérant? J'ai beaucoup d'amis. Je m'en fais partout où je vais. Et ils aiment bien se joindre à moi pour boire un verre. C'est un mode de vie comme un autre. Pour le moment, cette vie de voyage me convient parfaitement. Je vois le monde, et mes amis savent que je reviendrai toujours leur rendre visite. Alors, je peux vous servir quelque chose? Bonne nuit, Celt. Fais de beaux rêves. Prends soin de toi. Merci d'être passé. Bon courage pour la journée qui s'annonce. Et puis à très vite. Non mais Tirac, je crois qu'elle a apparu sur la rediffusion à la fin. Bon, pour, au cas où, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et Tirac a expliqué qu'en fait, General Atomic, c'était je crois une référence à General Motors, qui était la première usine, le premier système à avoir un robot. Si j'ai bien répété en tout cas, parce que j'avoue que comme j'ai une mémoire de poisson rouge et que je suis vraiment crevé. D'accord. Je sais plus. Montrez-moi ce que vous avez. Mon choix est assez limité en ce moment. Mais n'hésitez pas à regarder. Non, d'ailleurs, je pense que ce sera la dernière rediff pour ce soir. On n'aura pas fait grand-chose, mais je suis vraiment trop crevé pour... Pour avancer, quoi. Excusez-moi. Oui. C'est tout? Eh. Hey. Oui. Rien de plus, au revoir, du coup. On a une usine, des caravanes sur la gauche, on va peut-être se diriger plus vers les caravanes. Ici, j'ai une mémoire de poisson rouge sélective. Et j'essaie de faire autant que faire se peut avec. De 6 mois. D'accord, ben oui, mais tant c'est trop. On dit que les poissons rouges n'ont pas de mémoire, donc on va rester là-dessus. Ça m'arrange. Fallait que je tue, désolé. Et ils donnent rien en plus, hein. Ils étaient coincés dans l'arbre, on n'allait pas en rajouter des couches, hein. Fallait qu'ils puissent vivre, et en restant coincés dans l'arbre comme ça, ils n'auraient pas pu. Donc autant les éliminer, plutôt que de les laisser dans une longue agonie. Oh, comment j'arrive pas à parler? Adadada. Un peu de vide par là. On va passer par ici. Même le poisson rouge aime bien la mémoire que toi. Mais oui, les artilleurs aussi, ça me dit quelque chose. Waouh! On se tire, on n'est plus là. On viendra plus tard, hein. D'accord? Dites-moi qui m'a perdu de vue, s'il vous plaît. Non, pas Ascanour, je suis pas sûr que ce soit le bon moment pour m'attaquer à eux. Bon, finalement, l'usine, c'est peut-être plus intéressant. Non, mais je m'en doute, Tirac, sinon tu me dirais pas ça. Bon, bah, Canigou, j'espère que tu reviendras vivant, quand même. Il y a un bon cœur par là-bas.
Ça, c'est l'usine. Je vais aller voir si je peux trouver le bunker. Je vais peut-être me rapprocher un petit peu de l'usine. Arcgest System. Ah bah c'est le bunker de réserve de Fédération. D'accord, c'est pour ça qu'il apparaît peut-être. On va aller voir, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment beaucoup de choses à gênantes là-bas. Oui non mais c'est un ours. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre par ici. Je vais revenir quand j'aurai moins de problèmes avec les radiations, d'accord? Parce que là c'est pas joyeux. Bethany, je sais pas ce qu'elle fait là, mais c'est pas très malin. Pinaise urtica, mais... Attends, c'est tellement... C'est impressionnant. Ça se fait qu'il y a encore autant de radiation par ici. On va essayer de faire gaffe. Ah, il y a l'église aussi pas loin. Bon, j'ai de moins en moins de munitions là-dessus. Je me demandais s'il n'y avait pas un système pour... J'ai l'impression que je serais mieux de pas aller là. Je sais pas vous, mais moi je sens pas trop ce lieu là. Chut, on se calme. Deux plombs à tirer. Oh punaise, la vie. Il est cassé. De quoi qu'est cassé? Oh mais encore. Non. Oh punaise. Je sais plus quand est-ce que j'ai sauvegardé. C'était pas une bonne idée. Vers la loose et au-delà. Elle grince cette chaise, c'est incroyable. Et de 6, oui. Et de 6. Oh, je serais peut-être mieux d'avancer tout court dans l'histoire, à explorer au fur et à mesure, parce que... Enfin, dit Red, tout content de me voir mourir. Bande de méchants. Hey, je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Heureusement, je crois que ça a sauvegardé il y a pas si longtemps. J'étais où, là? J'avais encore mes packs. Étant de Walden... Non, mais attendez, c'est si vieux que ça? Ok, bon, bah on va quand même se... Ah bah c'est la dernière fois que j'ai dû sauvegarder en fait. On va quand même aller en face là, hein. on va pas chercher à aller à droite, à gauche, vers le bunker ou vers l'usine ou machin, on va avancer. D'accord? Ouais non mais je m'en doute. Kyo,
Aucun pilier n'a piqué l'armure assistée. Quel cri. Ouais, la réplique de... Si au premier essai, tu n'y arrives pas, essaye de l'autre manière. Et Tirac. Ah mince, ça se relance. Oh. On essaiera une autre fois. Ils appellent ça un Darion, il a pas l'autre. Je crois qu'il y en a d'autres à l'extérieur. Je m'attendais pas à ça. Moi qui voulais fouiller tranquillement. Pourquoi tant de haine? J'en entends d'autres. Il a forcément d'autres qui se bladent. Ah bah c'est un son. Tire-toi. Vers la Louse et au-delà. Elle est carrément faible, faudra que je monte le son. Bon bah on revient au point de départ, écoutez. On revient au point de départ. J'ai l'impression. Le fait est que, comme je suis fatigué, je me penche de plus en plus vers l'avant. Je me fais tout bossu là, comme ça. Normalement, ils sont censés tenir droit. Comme ça. Et puis bouger. Mais. Pff. Ben, j'ai voulu partir, mais. Je me suis pas très bien débrouillé, faut croire. Bonjour, monsieur. Hein, Pierre ? Ça, je vous prends, ça, je vous le prends. En même temps, il est vrai que je suis pas très bien habillé, mais je tiens plus à l'aspect visuel qu'à l'aspect défense de mes armures, donc bon. À voir. Kyo, arrivera-t-il à dépasser le maître? C'est quand même solide, hein? Aha! Sauvegarde. Comment ça, tu veux arrêter la caméra? Ah, parce que je me penche. Elle est loin la caméra, regarde, elle est très loin. Même en tendant le bras, j'arrive pas à la voir. Les mines sont aléatoires en fait. J'arrive pas à savoir où est-ce qu'elles sont exactement. Ces fameuses mines. Oh bah j'aurais récupéré un nouveau réacteur à fusion. Toujours ça de prix. J'arrive, camarades qui ont besoin d'aide. Non mais j'aurais pu m'éloigner avant qu'elle explose cette fameuse mine. Je fais une bêtise. Il y a un barrage près du point de départ qui mène direct à... Ouais mais il aurait pu être... il aurait pu s'agir d'un piège. Je suis pas sûr que les pièges sont... s'affichent vraiment comme... comme les mines. Je sais pas, je pense qu'elles elles apparaissent différemment à chaque fois les mines. Mais je suis pas sûr. Hein. Ouais, ça je m'en souviens, il me semble, Artika. Je sais plus si je l'avais vraiment vu ou non, mais ça me dit quelque chose, ce truc là. Ou alors je l'avais lu. Mais je crois que là aussi tu peux les désamorcer en t'approchant, si t'appuies assez vite. Je sais plus.
Et je ne sais pas, et je reste planté là. Faut que j'ai pas entendu celle-ci de musique. Je sais pas pourquoi j'ai ramassé un uniforme de facteur, deux uniformes de facteur. C'était plus pratique de passer par le là-haut. On va aller voir. Plutôt que de traverser l'eau qui va nous rajouter de la radiation, de la radiation et de la radiation. Je me sens mais tellement pas dynamique. C'est ce qui s'appelle être raplapla. Sympa qu'il y ait des véhicules et des tas de trucs à voir dans le jeu. Hein. On va y passer des heures et des heures, je sens. Ouais, mais il me semble que j'en avais entendu parler de ça, Urtica, comme tu, je te le disais. Ah, il y a l'antenne radio pas loin. Oula, ça a brûlé par ici. Pendant les sauts, quoi. Faut vraiment que je me trouve une meilleure arme que ce truc. Ah, je suis blessé. Attends, je recharge. 30 secondes. Non. Tout ça pour ça. Mais je joue tellement mal. Il y a un chien lumineux de l'autre côté aussi. Babylon 5, ça parle à quelqu'un? Non, pas du tout. Soin. On a plus à aller très très loin. Bon, je me souviens que dans mes vidéos, j'avais un FOV beaucoup plus appréciable. Là, je crois qu'on est limite sur un FOV de console. Et ce feu là-bas, ça me perturbe, j'ai envie d'aller voir. Si, il y a des gens, même quand ils sont stressés, ils arrivent à faire des... Des dégâts. C'est juste des pneus qui brûlent. Qui a mis de feu à des pneus? Ça pollue en plus. Bon, en même temps, vu la tête de l'environnement, je crois qu'il n'y a plus grand chose à polluer. Ça mériterait d'aller voir là-bas, ça. Ah oui, je crois que je reconnais la zone. Ils sont là en face. Ils sont installés des fermes derrière. Voilà la station Oberland. On va sauvegarder. On va ranger notre arme. Aller voir là-haut. Où il n'y a rien d'ailleurs. Pour l'instant, comme c'est pas chez nous, on peut pas y faire grand chose. Bonjour. Pardon. Ce sont les miliciens qui vous envoient ? Oui, madame. Oui, je viens vous aider. Qu'est-ce qui se passe ? Les pillards nous persécutent. Ils prennent notre nourriture, notre matériel. Et ils nous menacent quand on ne leur donne pas ce qu'ils veulent. On sait d'où ils viennent, mais on n'est pas capable de leur résister tout seul. De quoi, Isa? Pourquoi vous me dites ça? J'ai sauvegardé, là. Combien? Pas d'inquiétude. Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de ces pillards. Tant mieux, on ne savait pas quoi faire. On va s'en occuper, ma petite dame, et là, ils sont, vos pillards. Ils sont loin, ils sont pas loin. Carte. Backstreet Upperwell.
à part elle. Puis mon accent français, franchouillard, bien complet. J'ai envie d'aller voir la station là-bas. Il y a un truc, une antenne. Tu as rien fait, t'es innocente. Ah, je sais pas, j'avoue que j'ai pas suivi là encore une fois. En même temps, je peux pas toujours regarder le chat non plus. C'est pas pratique. Ça c'est cassé, là on peut l'activer ce truc. Y'a rien de plus aux alentours, y'a rien de plus aux alentours. S'il y a ça. Alors, déployer les paraboles. Pourquoi ça veut pas? Normalement, on va capter plein de trucs. Trouver, signal des balises. Viens voir à la radio. Balise des services municipaux de Boston, viens voir. On entend des choses loin, mais bon, rien de bien spécial. Qu'elle aime. Je dois être trop loin en fait. Ça va être plus loin et... Si quelqu'un entend ce message, mon fils et moi avons besoin d'aide. Nous sommes piégés. Nous sommes poursuivis par une créature. Nous avons réussi à nous réfugier dans un wagon, mais elle sait que nous sommes là. Thomas est blessé. Il a besoin... Oh non! Elle a ouvert la porte. Cours, Thomas! Cours! Cours, Thomas! Cours! Il fait mal. Vous vous cachez. Je fais aucun dégât. Est-ce qu'il est avec nous ou pas lui? Ouais, il est avec nous. Je crois. Sinon, il y aura un truc qui apparaîtra au-dessus de lui. Mais recharge vite. Punaise. C'est bon, je l'ai eu. Qu'est-ce que t'as? Ok, un nouveau truc. C'est eu la fusion. Prendre, cartouche. Ok, je prends. Y'a rien d'autre. Pensez à sauvegarder. Il n'y avait pas un deuxième quelque part dans le coin? Ou alors il a glissé quelque part. Un tunnel. Youhou, y'a quelqu'un? Ah, il est là. Et je vois pas même sous mes yeux, quoi. Avec de la lumière, c'est mieux. C'est mieux pour se faire remarquer. C'est mieux pour avancer. Bon, il a le temps de me toucher un paquet de fois, quand même, le Gugus en question. Avant que je réagisse. Bah écoute, de toute façon, le combat s'est lancé, donc on va bien voir ce qui va se passer après. C'est pas comme si je pouvais jauger de la difficulté des combats juste en gardant un personnage. Je crois pas que ce soit si simple. Y'a un paquet de gens morts, c'est pas très rassurant ça. Capsule, je prends. Ah, c'est des habitants par contre, et ça c'est pas cool.
Oui, mais légendaire, il peut être légendaire de niveau 2, tu vois, je pense. Bonne nuit, Sylvie, encore une fois. Faites beau rêve, à la prochaine. Tiens, les bisous. Comme je dis, moi, j'ai tellement les yeux défoncés, là. Ça pique, mais je pense que ça se voit, parce que je dois pas arrêter. J'ai arrêté de cligner des yeux. Il y a un truc à visiter. J'ai envie d'aller voir. Ah bah non. Il y avait juste ça à voir. Boucher d'écureuil, je prends. Hey. Comment ça va, mon vieux? Menotte. Pour sauver les habitants. Est-ce qu'on peut les sauver, ces gens-là? Ah, ils ont gardé des fragments de... Il y a tout un crâne humain en morceaux. Ah, pourquoi elle a gardé ça, la miss? Je tape dans le micro sans le vouloir, désolé. Moi, c'est ma chaise qui se prend dans les pieds du micro. Je suis tellement, mais tellement KO. Ouais, donc je vais m'arrêter dans quelques minutes. Ah, je suis sûr que t'en as déjà en stock, tu vois. Me fais pas croire le contraire. Par contre, c'était pas une très bonne chose, on est en train de se rapprocher d'un... Sauvegarde. D'un abri. D'accord. Il me semble que ça, je les ai toujours vus morts, en fait. Hein. Truc est mort ou pas? Ce truc est mort. Parfait. Si c'est mort, c'est que tout va bien. Je me demande si c'est pas une zone particulière. Si c'est ce dont je me souviens, ça peut être pratique. Un new collar, on va le prendre. Je récupère les dossiers. Je crois que c'est... ouais, je crois savoir ce que c'est. Quand même, pour le plaisir, on va aller le voir. Pour le plaisir. Oh, pardon. Temps de chargement. Heureusement que ça va assez vite. Dans mes souvenirs, c'est quand même vachement classe ces abris. Je crois que je peux ranger mon arme. C'est incroyable. Halte là, sécurité de l'abri 81. C'est pas où vous avez trouvé un Pip-Boy en état de marche, mais vous avez intérêt à vous expliquer. Abri 111. Je l'ai eu dans l'abri 111. L'abri 111? Jamais entendu parler. Et qu'est-ce que vous allez trouver dans le 81, à votre avis, hein? J'explorais les environs et je me suis dit que j'allais jeter un œil. Tiens donc, et vous croyez peut-être que... Oh. Superviseur. Qui est-ce, Edward? Nouvelle tête venue de Commonwealth, madame. Ce n'est pas l'un des marchands habituels. Eh bien, si quelqu'un veut entrer, il doit le mériter, comme tous les autres. Laissez-moi lui parler. Bonjour. Pardonnez l'officier Edwards. Il ne fait que son travail. Je suis sûr que vous comprenez parfaitement.
Non, mais ce que je vais aller faire après, la Vertica. Vous nous aidez, nous vous aidons. Parce que là où j'en suis, de toute façon, je suis tellement endormi que... Que je vais pas arriver à grand chose, même si j'essaie de bosser, j'obtiendrai aucun résultat. Tu vois, j'ai même du mal à articuler, à trouver mes mots, donc c'est que, à mon avis, il faut que j'aille dormir. Là. Ça m'intéresse. J'ai coupé le live, j'ai lancé les encodages, je vais aller me coucher direct. Pour être exact. Ramenez-moi les réacteurs et vous pourrez rentrer. Bah, j'en ai déjà les réacteurs à fusion. J'ai déjà les réacteurs à fusion dont vous avez besoin. Vraiment ? Dans ce cas, je n'ai plus qu'à vous souhaiter la bienvenue. Je vous retrouverai à l'entrée. Voilà, ça je trouve ça classe avec la luminosité, les... Le fait que la lumière passe comme ça, à travers ces portes qui sont immenses. Je trouve que ça a quelque chose d'assez magique, assez épique. Salut raisonnable, Gwen. Mon équipe enchaîne les heures supplémentaires depuis des semaines. Ils ont besoin de faire une pause. Ça va la tête, tout le monde travaille d'arrache-pied en ce moment, Cal. J'en suis parfaitement consciente. Faites au mieux avec ce que vous avez. C'est tout ce que je vous demande. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Mais vous savez aussi bien quoi qu'on ne pourra pas tenir comme ça encore longtemps. Désolé, vous le constaterez rapidement, nous avons plusieurs opérations de maintenance en cours. Gwen McNamara, superviseur. Bienvenue dans l'abri 81. Nous sommes fiers d'être parvenus à maintenir un abri en parfait état de fonctionnement pendant 2 siècles. Nous aimerions être totalement autosuffisants. Mais certaines ressources extérieures restent malheureusement indispensables. Vous avez réussi à maintenir un abri pendant tout ce temps ? Très impressionnant. Merci. Je dois beaucoup aux superviseurs qui m'ont précédé. Certains d'entre nous ne sont pas de cet avis. Ils pensent qu'ouvrir nos portes aux habitants du Commonwealth était une erreur. Le monde extérieur a du bon, vous savez. Le Commonwealth est en train de changer. Il paraît, oui. Mais nous sommes encore loin du compte. C'est pour cela que j'applique le principe du donnant-donnant. Si des gens de la surface sont prêts à nous aider, nous les aiderons en retour. À ce propos, vous pouvez me remettre les réacteurs à fusion maintenant, si vous êtes d'accord. Bien sûr. Les voici. Merci. Le docteur Penske les attend avec impatience. Je vais devoir vous laisser maintenant. J'ai du travail. Madame, que devons-nous faire du chien ? J'autorise l'accès. La sécurité n'a rien à craindre de ce côté. S'il a survécu aussi longtemps dans le Commonwealth, il doit savoir choisir ses amis. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai dans mon bureau. Ne faites pas regretter de vous avoir fait entrer. On va voir. Va-t-il le regretter ou non ? Bonjour Miranda. Pardon. Encore quelqu'un de l'extérieur ? Pourquoi ils vous ont permis d'entrer, vous ? Pourquoi vous me parlez comme ça ? Je ne fais pas confiance aux étrangers. On n'avait pas besoin de votre aide avant et ça n'a pas changé. Le superviseur n'a jamais dû ouvrir l'abri aux gens de votre espèce. Je viens d'un autre abri. Je me fiche pas mal d'où vous venez. Vous n'êtes pas d'ici, point. Sympa comme accueil, Miranda, merci, bonjour. Bonjour, Neil. Pardon. Alors, comme ça, on a de la visite aujourd'hui ? Ne le répétez pas. Mais je rêve de me tirer de ce trou. Si vous voulez partir... Qu'est-ce qui vous retient ? J'aimerais que ce soit aussi simple. Mais ça fait un peu peur de quitter l'abri. Mais je ne néglige pas. Et le Commonwealth ? Justement. C'est tellement imprévisible. C'est bon. Négliger, ce serait justement de ne pas aller me coucher après cette rediff. Vous devriez. C'est très prometteur. Parce que là, je passe mon temps à bailler. J'ai presque les yeux enfin, qui pleurent. Si le boulot continue de s'accumuler comme ça, ce sera peut-être plus tôt que prévu. Je fais une petite pause avec Go. En même temps, tu peux pas tout manger d'un coup, hein, c'est quand même violent. Pourquoi vous travaillez autant ? On s'efforce d'empêcher le toit au-dessus de nos têtes de nous tomber dessus. Apparemment, ce sont les pièces mobiles qui nous donnent le plus de boulot ces temps-ci. Au niveau de sa structure, le 81 est encore en bon état. Les gars de Voltec savaient ce qu'ils faisaient quand ils ont construit ces machins. Bon, je voudrais pas vous retenir. Et il faut que je retourne au boulot. On se recroisera peut-être ? Bonne nuit Aria, fais de beaux rêves, à la prochaine, merci beaucoup d'être passé, prends soin de toi. Alors je pourrais rien fouiller par contre, donc je fais ça. Calvin a toujours besoin d'outils. Je crois qu'il peut en capsule si vous lui en apportez. D'accord, ah je t'ai pas si vu vous toi. Vous avez envie d'un bon repas, allez voir Maria à la cafétéria. Vous vous régalerez. Salut. Si vous avez besoin d'un médecin, allez voir Forsythe et Rachel à la clinique. Ils
s'occuperont de vous. Ça va, c'est vrai qu'ils sont plutôt bien installés les mecs là. Comment ça, il y a un décalage avec les messages? Ça va, ouais, tu t'as bien géré Dorian. Félicitations. Là-bas. Parce que c'est vrai que ça doit être long quand même à regarder. Ouais, comme je dis, après je poste finalement. Les machins qui font du bruit quand on passe. Aucun signe de radiation. Impressionnant. Ouais, je m'en souviens du logement Etirac. Mais dis pas tout non plus. Bon sang. Erin va pas aimer ça. Le travail ne s'arrête jamais. J'aurais aimé le calmer le chat là. Cathy Pine est l'institutrice du 81. Vous devriez aller la voir. Elle adore que les étrangers partagent leur expérience avec ses élèves. Il va vraiment se barrer le chat. Il va revenir en étant un chat radioactif, c'est pas très malin. Oui, je m'en souviens, Tirac. C'est officiel qu'Anigou est pas un vrai chien. C'est un chien bien dressé. Qui ne cherche pas à faire du mal à des chats qui passent ici. Oui. Hé. Hey. Le Commonwealth a l'air tellement passionnant et dangereux. J'espère que vous ne nous apporterez pas d'ennuis. Maintenant que vous êtes là, on vous a à l'œil. Alors je vous conseille de vous tenir à carreau. Chef, oui, chef. Alors, à quoi sert cette expérience, du coup? Parce qu'on le sait tous, hein, maintenant, les trucs de Voltec sont toujours des expériences. Donc, celui-ci, on n'est pas... On est alors, forcément innocent. C'est à cause de vous qu'on a doublé les patrouilles aujourd'hui? Pardon, officier. Le chat d'Erin a réussi à s'enfuir de l'abri. Ça m'étonnerait qu'il survive bien longtemps dans le Commonwealth. Alors, on descend. Bah là, j'en suis à environ entre 8 et 10 heures sur les deux dernières nuits, quoi. Donc j'avais dormi 4 ou 5 heures, donc 4 ou 3 heures, je crois, hier. Et là, je me suis couché vers les 6 heures du matin, et je me suis réveillé à 9 heures, puis je vais dû me rendormir vers 10, 11 heures, jusqu'à midi. Alors que normalement, j'espérais faire 6 heures, 14 heures. Mais j'ai pas réussi à dormir correctement, donc... Hey, monsieur, c'est vrai que vous venez du Commonwealth? Oui, Austin. Ouais. Pourquoi cette question? C'est la première fois que je rencontre quelqu'un de là-bas. Je me disais que vous voudriez peut-être que quelqu'un vous fasse visiter l'abri. C'est seulement 5 capsules. D'accord, Austin. Fais-moi visiter. Tiens, voilà tes capsules. Génial! Faut que je vous présente à Erin. Elle va pas le croire. Suivez-moi. Nous allons commencer par... Salut Celsius. J'ai pas mis tous les DLC pour l'instant, ils m'intéressaient pas tous, les autres. J'ai juste mis celui de la construction. Ça, c'est le dépôt. C'est la famille Combe qui s'en occupe. Erin est ma meilleure... Sympa, celui-là. Merci pour l'explication. Papa et sa maman se disputent tout le temps. Alors j'aime pas trop aller chez elles quand ils sont là. Mais si vous avez besoin de quelque chose, c'est à eux qu'il faut demander. C'est bon à savoir, Austin. Merci. Vous voyez, je vous avais dit que j'avais plein de trucs. Prochain arrêt, le superviseur. Bah celui-là vient de me le donner, non? Vous avez tué des tas de bestioles bizarres. Et des pillards. Je parie que vous avez tué des pillards aussi. Ah, et là-haut, le superviseur. Il est classe, n'empêche, t'abri. C'est clairement pas nos machins de cryogénisation. Le bureau du superviseur est là-haut. Elle est toujours occupée là-dedans. Et on peut jamais la déranger. C'est elle qui commande, mais elle est gentille. Je l'aime bien. Bah non, mes souvenirs, c'est pas vraiment partie de l'histoire, hein, ça, Tirac. Je crois que je savais déjà aussi. Il fait peut-être aussi que ça me dérange, moi. Elle fait respecter les règles, c'est bon à savoir... Superviseur, hein? J'imagine qu'il faut toujours quelqu'un pour mener la barque. Si jamais vous avez besoin de la voir, c'est là. Après, je vous montre la cafétéria. La cafétéria est au niveau en dessous. Il faut qu'on descende. Ok, c'est je là te que suis. Tout le monde se retrouve pour manger. On est serré comme des sardines des fois. Mais les Somerset sont sympas. Vous allez voir. Cafétéria à l'américaine. Eat, eat, eat.
Bonjour, Austin. Je vois que tu fais le guide touristique. Oui, madame. C'est la cafétéria Sunshine. Mamie arrête pas de dire qu'ils sabotent tout le boulot qu'elle a fait. C'est monsieur et madame Somerset qui tiennent la cafette. Ils sont gentils. Et les tartes de madame Somerset sont les meilleures du monde. Je viendrai ici si j'ai un petit creux. J'aime bien cet endroit. Je te mets une part de tarte de côté, Austin. Et maintenant, Horatio. Je vous avais dit qu'ils étaient gentils. Vous aimez bien votre coiffure ? Moi, j'aime bien la mienne. J'aime pas du tout les peignets, par contre. Ma mamie veut toujours que je les peigne tout le temps. Ils doivent réutiliser les vêtements d'une époque à l'autre, enfin d'une génération à l'autre. Austin, la moquette qui te sert de cheveux est un vrai niard à taupe. C'est ici qu'Horatio coiffe les gens. La maman d'Erin passe tout son temps ici. Ma mamie vient quasiment jamais, elle. Mais elle veut quand même que je vienne me faire couper les cheveux. C'est pas juste. Oui, ta mamie, s'il te plaît, qu'on aille lui couper la tête. Ce sera rasé court, c'est tout. Je viendrai ici si j'ai envie de changer de coupe. J'aime pas du tout me faire couper les cheveux. Maintenant, je vais vous présenter ma mamie. On va voir ma mamie. C'est vrai que le début de Fallout 3 était très intéressant pour ça. Mes parents sont morts quand j'étais petit. Le fait qu'on vienne à naître et ainsi de suite, c'était vachement sympa. T'as des gros ralentissements de connexion. Bon, de toute façon, on est à plus de 40 minutes, donc j'attends juste la fin de la visite et puis je vais me coucher là. Enfin, lancer l'encodage et je vais me coucher. Ben, peut-être parce que justement ça a évolué. Austin, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'embêtes pas cette personne du Commonwealth, j'espère. Je l'embête pas, je l'aide. C'est ma mamie. Elle s'occupe de moi. Vous pouvez l'appeler Dr. Pence. Elle a l'air grognon tout le temps, mais en fait, elle est super gentille. Que tu crois? Elle dirige le laboratoire hydroponique. Tout ce qu'on mange vient de là. C'est bon à savoir. Je parie qu'elle s'occupe très bien de toi. Ouais. Je pense que ça a changé au fur et à mesure, ouais. Ou qu'elle est pas trop occupée. Attention à toi, petit. Prochain arrêt, Madame Cathy. Comme je dis, on termine juste la visite et j'irai... Venez. Oui, non, mais je te suis. L'abri. Je vais vous montrer où je vais à l'école. Je parie que vous avez jamais dû aller à l'école, vous. Je te suis, bonhomme. Ah, petit problème de pathfinding, sûrement, à cause du chien. Attends, Kenikou, dégage. Vous partez? Qu'un marchand est passé. Merci d'avoir suivi ma visite. Il ne faut pas que j'oublie de déposer cette lampe avant d'aller travailler. Mais non, mais... Salut, Austin. J'aime pas l'école. Vivement que je sois plus obligé d'y aller. Il est à vous, Spipboy. Je l'espère pour vous. En gros, il fallait traverser. Et l'école est juste là. Mais voilà, ça c'est un truc qui est désagréable dans les jeux. C'est... Voilà, on s'est retrouvé comme des quiches avec ce problème-là. Bon, je sais pas à quoi ressemblera l'abri qu'on pourra construire à nous. Mais en tout cas, c'est plutôt sympa. On va revenir au début. Il y a des petits panneaux. Vous devriez passer au labo demain matin, vous pourrez voir les nouvelles récoltes. Le pauvre. Il a une sale gueule de ce côté. Voilà, c'est pas Raymond Kishman, hein. Si le jeu n'avait pas fait un pathfinding dégueulasse, j'aurais pas cru qu'il y avait un bug et j'aurais pas cherché à me détourner. J'aurais suivi. Voilà. Donc quelque part qui peut s'acheter des jouets le gamin avec ça. Enfin bref, du coup on va quand même s'arrêter ici pour ce soir. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouvera quant à nous très bientôt pour la suite des événements. Peut-être demain, j'essaierai de faire quelques vidéos, on verra bien. Sinon, on se retrouvera mardi, quoi qu'il arrive. Merci à vous tous encore une fois, merci pour votre soutien, merci pour votre participation et votre présence. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif. N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappistejeux.fr ou sur mon blog itisan3.fr. Passez une agréable fin de journée, prenez soin de vous et à ciao tout le monde. Salut!